seul pour installer ses banderoles. Déterminé, Anthony entame sa grève de la faim. À 38 ans, le cuisinier de l'hôpital de Ribérac veut interpeller l'opinion sur le manque de personnel. Je m'insurge contre les conditions de travail qui aujourd'hui deviennent extrêmement compliquées pour mes collègues soignants, pour les collègues techniques et tout ce qui s'ensuit. On ne peut pas s'occuper de nos résidents décemment comme on devrait s'en occuper parce qu'on n'a pas assez de personnel. Et je précise bien, il n'y a pas qu'à Ribérac, c'est national. Venue à sa rencontre, la directrice de l'établissement n'approuve pas vraiment la décision du salarié, mais comprend son message. Sur les revendications qu'il défend, oui, j'estime que ce sont des revendications qui peuvent être entendues. À l'hôpital, les travaux se multiplient. 16 millions d'euros ont été investis dans le nouveau bâtiment pour personnes âgées dépendantes. Problème majeur, un seul aide-soignant pour 10 résidents, insuffisant. Au niveau infirmière, oui. Nous avons de gros problèmes pour recruter, où on peine à recruter. On n'a pas de liste d'attente d'aides-soignants qui souhaitent venir dans nos établissements. Solidaires du cuisinier, les personnels de l'hôpital confirment le malaise général. On est tous avec lui, je vois comment travaillent mes collègues, et il y en a qui sont en limite burn-out, qui viennent, parce qu'on a encore cette conscience professionnelle de se dire on doit venir travailler pour eux. Mais malheureusement, on vient, mais pas dans des conditions favorables. Ce soir, Anthony Lavergne passera sa première nuit de gréviste de la faim dans sa voiture.